Hervé, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Alors Hervé, tu es ici à Ottawa pour la pépinière à projet de la CITF. Ouais. Quand tu as appris que tu étais invité à cette pépinière, en tout cas quand tu as postulé, qu'est-ce que tu attendais de cette pépinière ? De faire plein de rencontres. De faire plein de rencontres avec des gens venus de toutes parts. Des artistes, des Canadiens, de toutes les nationalités. C'est ça qui m'intéressait. C'est ça. Et ce que tu as trouvé, est-ce que ça répond à ça? J'ai rencontré des artistes venus de toutes parts, des auteurs, des artistes, des comédiens, et voilà, et de toutes nationalités. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire des nouvelles rencontres. Alors tu es ici dans une délégation luxembourgeoise, même si tu travailles beaucoup en France. Au Luxembourg, il y a trois langues, le français, l'allemand, le luxembourgeois, bien sûr. Est-ce que cette problématique de la langue française par rapport à d'autres se retrouve dans la pépinière ? Ah bah oui, on n'arrête pas d'en parler justement, hein, parce qu'il y a le Canada anglophone, le Canada francophone, et puis comme je le disais aussi, au Luxembourg, il y a plusieurs langues. Mais on arrive tous à s'entendre et à créer. C'est ça qui est génial. C'est ça. J'espère que tout le monde le comprend. Ça ne sert à rien de... La langue ne doit pas être un obstacle. Au contraire, c'est un enrichissement. Alors, ce sont des gens qui viennent d'un peu partout. Ce sont des gens aussi qui ont, sur le plan artistique, des habitudes, qui sont des habitudes à la fois communautaires et personnelles. Comment on arrive à concilier dans un groupe de 18 personnes ces différences artistiques? Je crois qu'on était tous comme des enfants et on devait jouer avec plein d'instruments différents, et c'est ça, je crois qu'on s'est tous mélangés, on n'a pas commencé à réfléchir, quoi. On a foncé, on avait 4 jours intensifs pour créer quelque chose, et c'est ça qui est sublime. Alors, ce quelque chose, c'est quoi? Parce que, sur le plan stratégique, il y a eu des animateurs qui ont fait des choix. Même si le prétexte était la rencontre, ces choix, c'était aussi des choix actifs, dynamiques, de réalisation. Est-ce que tu peux décrire en quelques mots ce que vous avez fait? On est parti d'improvisation de certains sujets et on les a développés ensemble, hein, sur le bruit des capitales. Plein de choses qu'on a tous rassemblées, chacun on était en petit groupe, on travaillait tous séparés, et après on s'est rencontrés, et puis voilà quoi.